Et salut tout le monde, ici Réa, de retour sous Dead Cells et la bêta de l'update 4, la quatrième mise à jour et son nouveau contenu. On a bien des choses à voir encore, je pense, hein, sous cette nouvelle mise à jour. Et donc je compte bien les explorer du mieux que je peux. Pour cela, il me faut bien sûr recommencer une nouvelle run. J'espère ne pas mourir bêtement, comme ça m'est déjà tant arrivé auparavant sur des runs pourtant bien commencés. Ici on me donne un bain de sang. Et je vais prendre les couteaux de lancer pour aller avec, quoique. J'ai fait une run couteau de lancer récemment, on va. C'est raisonnable. Même si un build complet saignement semble attirant. On va varier un petit peu les menus. Après tout, le bain de sang est une arme qui a quand même des dégâts honnêtes. Surtout si vous pouvez vous permettre de fuir un petit peu pour laisser les saignements agir. Ah, je l'ai vu. Pas utile pour un son, on va recycler, ça va faire de l'or. Je ne sais pas si on peut avoir des parchemins dans les secrets comme auparavant. Fouet de Valmont, je n'en ai pas vraiment. Je ne donne rien dans cette boutique. En revanche. Je pense qu'on peut se permettre une malédiction histoire de. De prendre. C'est marrant, on voit moins 24% maintenant. Avant, je voyais moins 32. Non, pareil, les augmentations de dégâts, c'était 43%. Ça a peut-être été légèrement changé. Il y a eu une petite update à la bêta. Donc maintenant, c'est 25% de vie sur survie, 5% ici et 5% là. C'est plus proche des chiffres que j'avais vus sur les manifestes originaux. Peut-être qu'ils se sont plantés, qu'ils ont fait une correction. 50 dégâts par seconde supplémentaires après avoir tué un ennemi. C'est bien ça, c'est vrai que c'est un truc qui n'arrive pas. Je vais partir brutalité. De toute évidence, ils sont encore en train de faire des ajustements délicats, hein, à diverses caractéristiques du jeu. C'est un peu optimiste de ma part de rusher comme ça, alors que j'ai une malédiction sur moi, mais... Oh. Est-ce si grave? Failli me prendre le squelette, ça aurait pu me coûter très cher. Par exemple, ma vie. Voilà. Ce n'est plus un problème maintenant. Deuxième parchemin, on va continuer sur brutalité. Il faudrait que je check hein, quel genre de dégâts on peut faire avec un bouclier, si les paras font vraiment mal. Un build qui utilise uniquement des dégâts de bouclier pourrait être très très fort contre les boss. Bon, en revanche, hein, contre les ennemis individuels, j'y crois beaucoup moins. Souvent parce qu'ils peuvent être présents en grand nombre. Et que plein d'ennemis en grand nombre, c'est plutôt dur à parer. Ah ouais, les setups sont vraiment différents. Avant, on trouvait pas des coffres comme ça, mais nulle part. Oh. Bombe de lire 2, les ennemis brûlent en mourant. Ça va très bien avec la bombe à huile, en fait, qui applique 40 dégâts et de l'huile inflammable. C'est assez synergique. Ça dit, actuellement je n'ai pas besoin de tout ça. L'efficacité dont je fais preuve. Et vu comment je suis. Allez, ce sera les égouts. Même si les égouts m'ont joué des tours récemment hein, au niveau du choix des zones. C'est peut-être l'occasion. Absorbe davantage de dégâts ne peut pas être utilisé pour effectuer une parade. C'est pas mauvais en fait. C'est pas un mauvais concept de bouclier.
C'est-à-dire qu'il fait... il inflige des dégâts malgré tout. Tire une flèche vers le haut. C'est-à-dire que je peux... Je peux pas faire de parade. Genre, vous voyez, si je le lâche, il fait pas l'espèce de geste. Regardez. Juste pour prouver. Là, si je l'utilise juste ponctuellement, il l'écarte vers l'extérieur. Signe qu'il part le coup, en fait. Et je suis obligé de le maintenir. Tandis que celui-là, si je donne juste un bref coup, vous voyez, il s'arrête immédiatement. En revanche, il me dit qu'il parlera plus. Absorbe 90% des dégâts. Ce qui est bien supérieur à ce qu'on chope normalement. Du coup, je n'ai aucune idée des dégâts qui sont infligés. Peut-être que maintenant on fait également des dégâts juste en bloquant et pas seulement en parant. Ce qui, ça peut être pas mal aussi. Enfin, de toute évidence, avec un bouclier comme celui-ci, je suis bien parti pour un build... pour un build rouge... enfin, brutalité et finesse. Probablement pas ambiance. Finesse étant, je crois, le surnom de la salle violette, hein, je pense pas m'être trompé. Les dégâts supplémentaires après avoir fait un kill sont vraiment efficaces. Je les apprécie grandement. C'est vraiment parfait pour explorer rapidement de grandes zones. Un peu cuit. J'ai perdu tous mes bonus. J'ai même perdu un peu de PV. C'est un peu triste. Archer ici. Ah oh là, presque. Coup par chemin du Minotaure. Plus de PV, plus de dégâts. Les dégâts, clairement. J'aurais eu un parchemin violet dans les possibilités, j'aurais réfléchi. 8 secondes de rechargement et 16 secondes de rechargement. Faudrait que je regarde les temps après. Mais c'est vrai que la bombe de lyre étant très puissante, et 16 secondes ne m'étonne qu'à moitié. Avant, il n'y avait pas un temps de recharge aussi important sur ce truc, mais ça m'étonne pas maintenant que ce soit à ce niveau-là. Je prends quelques dégâts bêtes. C'est un peu triste. Une minute seulement? Je suis vraiment allé vite parce qu'elle était pas exactement près de l'entrée, hein, cette porte verrouillée. Je trouve qu'il y a une autre zone derrière du coup que j'ai raté. Peut-être le charnier. En tout cas les toits sont ici, clairement. Enfin, c'est marqué dessus, donc je peux pas vraiment me tromper. C'est pas mal pour ces trucs volants vu que ça fait des dégâts. 1 et 2. Encore un parchemin, on va continuer à en prendre. Hein. Ça augmente la vie malgré tout. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, quelque chose que j'aime beaucoup, congélation, avec un brutalité plus 1 et un nuage toxique en mourant. Ah bah là je vais pas pouvoir dire non. C'est combien le temps d'utilisation? C'est dur à dire, ça dit ça fait de bons dégâts. Et ça part assez vite. On va se soigner hein, pour assurer nos arrières. Oh, cet objet ne me dit rien.
C'est peut-être un objet que je... Ça a l'air d'être une grenade, ça dit. C'est peut-être une grenade que j'ai débloquée et dont j'ai oublié l'apparence, ou dont l'apparence a été changée suite à une mise à jour. En parlant d'objets, avec une apparence distincte et qui m'intéresse, la bombe de lierre. Double bombe de lierre, c'est quand même une bonne idée. Dégâts sur une cible qui saigne, les ennemis brûlent en mourant. Honnêtement, sachant que mon arme principale fait saigner, c'est juste trop beau pour être ignoré. Bon, par contre, j'ai plus l'invulnérabilité du bouclier maintenant, hein, faut se rappeler de ça. Il y a un autre problème avec le gel, si c'est ce que je pense. Ouais, c'est ça, les ennemis qui meurent basiquement avec le gel se mettent un nuage de poison, et ce nuage de poison va faire dégeler les autres ennemis. Donc il faut vraiment que je sois prudent. Plus de PV ou un peu de survie, enfin. C'est l'équivalent de 5 parchemins de brutalité, en fait, de prendre un parchemin de survie. Ça me donnait autant de vie que ce que j'ai chopé en 5 parchemins jusqu'à de brutalité. Je suis vraiment bien en brutalité actuellement. Donc je vais prendre un de survie. Juste pour les PV, pour la sûreté. Comme ça derrière je pourrais continuer à monter brutalité et me sentir un petit peu mieux d'un point de vue résistance. La roulade qui était un peu courte à mon goût. Il y avait un scorpion qui va sortir immédiatement du mur, je n'en sais rien. Non, la torche dansée de ce style ne m'intéresse pas. Rapporte pas assez. Ouh, une boutique. Si j'avais pas eu deux bombes de lierre, j'aurais certainement réfléchi à acheter la fragmentation, mais bon. J'ai pas la rune pour passer là. Voyons voir. Là, je sais que j'ai un ennemi que j'ai oublié. Là, je sais que. Ouais, s'il y a deux choses qui méritent que j'y retourne, on va y retourner à pied. Cul-de-sac, très bien, très bien. Ah, j'ai pris un stun dû à la chute. Je pense que j'ai fait le tour en fait du niveau à ce stade. Aïe, quasiment. Il y en a un petit peu par là-bas que j'ai pas exploré. Hein. Donc je vais aller voir. Toute la partie inférieure là. Je me rappelle que j'ai ce truc là parce que contre ces ennemis que je sais qu'ils ne meurent pas instantanément. Très bien pour les geler et leur faire une grande quantité de dégâts d'un coup. Et derrière leur coller le reste à coup de saignement. Et de coups d'épée. Là par contre je pense que j'ai fait le tour. Je vais éviter de m'attarder plus parce que bon, hein, il y a un moment... On a vu assez de ces aiguilles. Et ça va être donc direction les toits de la prison qui est ma seule issue possible dans la situation actuelle. Super musique. Il n'y a plus que ça à acheter de toute façon. C'est donc parti pour les toits de la prison. J'ai l'impression d'avoir moins de PV que j'en avais pas le passé. 160, ça me semble faible. Après, c'est comme si j'étais à 3 actuellement, globalement, en PV.
Par rapport à l'ancien système, si du moins les pourcentages étaient les mêmes. Mais enfin, même dans le nouveau système, c'est comme si la brutalité ne me donnait pas de PV et que j'étais à 3 parchemins verts. Enfin, que j'étais à 3 points en vert, donc avec 2 parchemins. Donc bon, on va voir. J'ai pas chopé la botte. Oh, elle est bien la botte. Ce que je sais en tout cas, c'est que je fais de très bons dégâts. J'aurais dû congeler, ça m'aurait évité le coup, mais dans tous les cas, c'est passé. Ok, faut que j'aille m'occuper du mage là-bas, sinon ça va juste pas être possible. Le gel qui m'aide vraiment. Allez, j'arrive pas à sauter immédiatement après avoir grimpé sur la plateforme. Ah bah non. Ça ne sert bien à rien. Là on va vraiment coller les dégâts. Surtout avec le buff d'après avoir tué un ennemi. Bon, ça va pas me servir beaucoup contre le boss, mais je suis pas trop mal setup non plus contre le boss en fait. Donc si je ne meurs pas contre les ennemis normaux, j'ai pas autant de raisons de m'inquiéter que ça. Oh. Ça m'intéresse. C'est genre typiquement une zone secrète que je n'ai jamais eu l'occasion de voir vraiment. Ok, ça c'est tout pour lui. Donc nuit et nuit, j'en ai pas vraiment besoin vu mon setup actuel, mais du coup voilà. C'est la deuxième zone secrète de jeu que je repère, la première étant bien plus loin, dans le cimetière. Je sais pas si celle-là a été rajoutée ou si c'est juste que j'avais jamais eu l'occasion auparavant de constater la présence de ce type d'ennemi. Et on peut toujours avoir des parchemins dans les murs, c'est très bien. J'hésite à réduire le cooldown de mes capacités. Parce que passer de 16 à 12 secondes, ça semble sympa pour les grenades de lierre. Mais actuellement, j'ai vraiment besoin de PV. Donc pour l'instant, on va rester sur les PV. J'aimerais bien également une nouvelle arme principale, si je pouvais avoir une épée similaire, hein, légère, si possible. Avec quelques crans de grève de plus, ça me plairait bien. Oh, leurre explosif. Ah, le leurre auparavant n'infligeait pas de dégâts à la fin, et là, à la fin, il explose après 2,5 secondes et fait des dégâts. Si j'avais un build avec ne serait-ce qu'un petit peu tactique, je prendrais. C'est pas finesse, c'est tactique le terme, je viens de le lire du coup. Mais là actuellement j'ai vraiment aucun point dans tactique, ce qui est très dommage parce que le leurre lui-même en donnait et ça serait allé parfaitement dans un build de ce style. Et de deux. Ces mâches sont vraiment une plaie quand ils sont pas sur une zone simple d'accès. Allez, on va prendre de la brutalité ici, hein, maintenant qu'on a chopé des PV tout fraîchement, tout récemment, on n'a plus vraiment besoin de se focaliser dessus. Les 5% supplémentaires suffiront. On a une bonne proba là de passer le premier boss, j'en suis pas mécontent.
J'avais pas remarqué, mais ça passe les boucliers. Oui, ça passe les boucliers. Ça passe les boucliers, la congélation. Ah, si j'avais su plus tôt, j'aurais définitivement tenté de m'en servir. Vu qu'elle a une marge d'utilisation plus large, j'essaie de l'utiliser en fait histoire de ne pas mourir bêtement. Et en soi, ça se passe pas trop mal pour l'instant. J'arrive à m'en sortir et à minimiser les dégâts que je prends. Ah, encore une partie du niveau auquel je n'ai juste pas accès. Par manque de cette rune. Tant pis, direction pour moi. Et c'est parti, on n'a pas eu d'upgrade au final au niveau de notre arme, mais on a eu tellement de parchemin. Ah, y a qu'à regarder, hein. 9 plus 3 plus 1, on est à 13, moins 3 vu que les 3 points de base on est à chaque fois. 10, ça veut dire que j'ai chopé 10 parchemins depuis le départ de cette run en 3 zones. 10 parchemins en 3 zones, c'est assez énorme quand avant j'en avais 2 en moyenne par zone, parfois 3. Là j'en ai eu entre 3 et 4 par zone, c'est assez astronomique. Le ralentissement est vraiment pas mal parce que ça m'aide à placer des compétences plus facilement. Je suis vraiment entré dedans là, c'est un peu la tristesse. J'avais pas prévu. Il devait être en pleine animation en plus. Ses patterns deviennent de plus en plus violents. On va se soigner, hein. On va pas être stupide. Il résiste à la congélation quand il est low life, c'est nouveau ça. Ah, cette attaque juste derrière. Ah, il m'avait coincé entre un mur et son espèce d'AOE. Je sais pas pourquoi, le début s'est très bien passé et la congélation sur la fin, il y a résisté à plusieurs reprises. Et j'arrivais pas à trouver le bon pattern pour l'immobiliser et arrêter. Et j'ai l'impression de manquer de dégâts, même avec 9 parchemins en brutalité, je faisais pas assez de dégâts, ce qui est assez hallucinant. Certes, j'utilisais l'arme de départ, mais à ce point-là, quand même. C'est un peu la tristesse. Je vais rapidement tenter une run timée, voir ce que ça vaut. Pour terminer cette vidéo, hein, même si je sais qu'on est déjà à 20 minutes passées. Voir la difficulté. Si la difficulté n'est pas trop élevée, je peux essayer de faire une petite victoire rapide. 4 minutes 30. Ouais, l'épée maudite c'est bien, mais je me sens pas en confiance pour une run comme ça. La Asmodel, c'est l'option safe, on va dire. L'avantage des triples parchemins, c'est qu'ils représentent chacun 30% de PV. Ok, c'était un peu une erreur de ma part. Je ne sais pas où est le boss. Je
pense qu'il est par là. L'inconvénient, c'est qu'actuellement, je manque vraiment de parchemin. Alors, j'avais pas prévu de prendre celle-là, mais c'est pas grave. J'aurais préféré grenade incendiaire, mais bon, cette tourelle-là est pas trop mal non plus. Ouais, bah écoutez. Je suis juste pas en forme actuellement. J'ai pas vu beaucoup de parchemins et les ennemis sont vraiment dangereux. Donc je pense que 123 avec un rang aussi minable. Je vais essayer juste une fois, mais à mon avis, ça passe pas. J'ai pas le niveau. Mon curseur a été encore déplacé. J'espère qu'il n'a pas été là toute la vidéo, parce que je sais que certaines personnes ont du mal avec le curseur sur la vidéo. Ce n'était pas volontaire de ma part, en tout cas, si c'était le cas. En allant dans des endroits où je n'ai pas été plus tôt. Oh, s'il y a des parchemins. Des parchemins ou n'importe quel équipement pour m'aider d'ailleurs. Coffre maudit, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais voir pour le prendre, hein, on sait jamais. Parchemin de puissance épique. Bouclier de contre. Ne peut pas être manu pour bloquer d'ailleurs. C'est l'inverse de l'autre bouclier qu'on a vu plus tôt. Un color, votre tir le plus élevé s'applique à cet objet. Dégâts de cet équipement réduit de moins 15%. Ouais. C'est assez intéressant, mais en fait non, l'arc et carquois s'en fout. Tous des. Enfin, au moins, bah, ah, il a un bonus de brutalité dessus, donc ce serait stupide de m'en débarrasser. Voilà, bon, je suis mort à cause de la malédiction, ça c'est. Ça se comprend. Et ce n'est pas grave. Bien, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On a décidément bien d'autres choses à découvrir sur cette mise à jour. Et pour l'instant, je galère un petit peu, mais petit à petit. On apprend des choses et en attendant, je m'amuse bien. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour de futures vidéos sous Dead Cells et d'autres jeux d'ici là. Portez-vous bien et ciao tout le monde.